Allez, toujours samedi 16 février 2019. On est à marche ici. Les derniers réglages se font pour le Kingfisher qu'on va inaugurer aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Magnifique couleur, magnifique petit cube créé par FMS. Ils ont bien vu que ça marchait bien chez Avios, chez Horizon, etc. Les couleurs sont parfaites, même la RAM-CAM est assortie, c'est nickel. On part sur un 3S. Yes! Main and flight! Chris aux commandes! Allez, je te tiens les pouces, je te tiens les mains en change. Yeah! T'as pas mis les gaz à fond là. Puis le vent, il était pas un peu dans ton aile droite. Wow, tu vas loin! Ah, du coup, en zoomant, ça floute. Comment tu le sens? Il a un joli bruit d'origine. Hein. Un peu comme les toundras après le crash. Ouais. Là, c'est clair qu'il va falloir un peu respecter les lois physiques entre le poids et puis la puissance qu'on donne. En 3S, c'est un peu plus traître, on va dire. 4S, on a la sécurité, c'est comme le turbo avec la bagnole. C'est cool, mais il est beau, hein. Sublime. Sublime. Oh non, ah merde. Ah, moi aussi, j'étais pas sûr. C'était limite quand même, c'était. On va dire que c'était osé, mais ça aurait pu. Moi aussi. T'as vu, même sur, on est sur quoi? 35 mètres, on arrive à se faire berner la vue. Bon, bah écoute, joli maiden, bravo Christian. Kingfisher, FMS, 229 balles avec boudin et ski. Franchement, ça, c'est un avion pour tout le monde. Stabilisateur avait l'air superbe. Et puis, non, mais franchement, je vais faire une photo de famille, Christian, parce que tu sais, quand un membre de la famille se donne cette peine pour poser aussi bien sur une photo, ça vaut la photo. Bravo! C'est ça qu'on aime en RC. On s'amuse trop bien. Allez. Bon, j'ai vu que l'aile s'était décrochée un peu au moment de l'impact. J'espère qu'on va le filmer, qu'on l'a filmé. Allez, je vais aider Christian.